Madre mía, Paca, los jóvenes de hoy en día ni estudian ni trabajan. Yo creo que deberían salir y trabajar. Toda una desgracia, Clemente. Sin embargo, mi nieto va a acabar ya la carrera y va a trabajar en una empresa multinacional. Madre mía, Paca, pero ¿tu nieto no estaba metido en el subterráneo hace 2 días? Mi nieto era un rebelde y no le gustaba estudiar. Sin embargo, se metió en un programa que le ayudó a rehacer su vida, pero no me acuerdo cómo se llama. Yo te refresco la memoria, Paca. El proyecto se llama Alma, y sí, sigue existiendo. Es allí de una iniciativa de la Unión Europea que visa a soutenir les jeunes qui n'étudient pas, ne travaillent pas et ne reçoivent pas de formation. L'objectif, c'est d'aider les jeunes les plus défavorisés entre 18 ans et 25 ans à s'intégrer à la société en accédant à un emploi ou à une formation. Según El País, la tasa de abandono escolar en Cantabria en 2023 es del 8,9% y España es el segundo país con más proporción de abandono escolar prematura. Es por eso que son necesarios más educadores sociales que tengan un contacto directo con los jóvenes y que no se queden simplemente en un despacho, sino que se conviertan en figuras cercanas a ellos para de esta forma ayudarlos a realizar su propio emprendimiento social. Educational centers will coordinate with companies through mentors who will be with young people to provide more training, and in this way achieve greater social inclusion for those who had a school dropout as their first option and who, thanks to our project, will be able to re-engage. Per raggiungere queste cifre è necessario cercare fondi per poter investire nella formazione sia di educatori sociali, sia di mentori e mediatori che intervengono tra i giovani e le loro famiglie, creando così circoli più stretti che facilitano i giovani ad uscire dal sotterraneo. De toute façon, l'objectif de notre projet est de créer un pont pour chaque circonstance en mettant les moyens nécessaires qualifiés pour atteindre les objectifs du programme. Mais à petite échelle, avec des entreprises locales, des aides pour se déplacer et séjourner dans la région et combiner des cours théoriques et l'introduction du personnel des entreprises dans les cours avec les étages accompagnés de professionnels éducateurs dans les entreprises. Toujours avoir un référent est une raison de personnel disponible avec qui parler des problèmes et rechercher une solution rapide.